السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. مرحبا بكم في هذا الشريط الجديد اللي نتمنى إن شاء الله تستفدوا منه بزاف. ألوغ باقيين في لي نومبر غاسيونيل. في هاد لا فيديو غادي نشوفو لا سوستراكسيون دي نومبر غاسيونيل، كومون كالكولي لا ديفيرونس دي نومبر غاسيونيل. Alors la soustraction, قبل ما كنديرو la soustraction, quelle est la définition de l'opposé d'un nombre rationnel? شنو هو المقابل ديال عدد جذري؟ Alors par définition, deux nombres rationnels sont dits opposés lorsque leur somme est égale à 0. Alors deux nombres rationnels sont dits opposés et quand la somme d'Elhom est égale à 0. Ça, c'est dans tous les nombres. La somme de deux nombres est égale à 0, ça veut dire les deux nombres sont opposés. Alors, exemple, par exemple, 1 sur 2 et moins 1 sur 2. Alors, la somme est égale à 0. 0,21 sur 52 et moins 0,21 sur 52, la somme est égale à 0. Alors, à deux, ce sont deux nombres opposés. Très bien. Alors, maintenant, la définition, ou bien, qu'est-ce que ça veut dire? Soustraire un nombre rationnel. Alors, soustraire un nombre rationnel revient à additionner son opposé. A sur B moins C sur D est égal à A sur B plus moins C sur D. Exemple. Alors, 5 sur 13 moins 1 sur 3 est égal à 5 sur 13 plus l'opposé de 1 sur 7. Alors, ça, c'est une faute ici. Pardon. Alors, sur 7. 1 sur 7. Alors, 5 sur 13 plus moins 1 sur 7. On peut écrire, on peut faire 1 sur 2 moins 2 sur 3. Alors, est égal combien? Est égal 1 sur 2 plus. Quel est l'opposé de 2 sur 3? Alors, l'opposé de 2 sur 3, c'est moins. Moins 2 sur 3. Alors, très bien. Propriété. Alors, maintenant, comment soustraire ou bien comment calculer la différence de deux rationnels. Alors, pour soustraire des nombres rationnels ayant deux mêmes dénominateurs. Alors, comme l'addition de deux nombres rationnels. Alors, de même dénominateur, on conserve le dénominateur commun et on soustrait le numérateur. Alors, la même règle, l'addition. Tawa, il a qu'un de même dénominateur, qu'un htaf double maqam, ou qu'un diru, le jam diel, le bastain. La soustraction, qu'un diru, le farq diel, le bastain. Alors, autrement dit, alors, la règle, c'est comme ça. E sur K moins E sur K. Alors, il y a ici le même dénominateur. Alors, on conserve le même dénominateur. Puis, on fait la soustraction du numérateur. E moins F. Alors, par exemple, moins 11 sur 5 moins 4 sur 5. Alors, il y a ici le même dénominateur. Alors, on conserve le même dénominateur, c'est 5. Puis, on fait la soustraction du numérateur, moins 11 moins 4. Alors, moins 11 moins 4 est égal à moins 15 sur 5. Moins 15 sur 5 directement est égal à moins 3. Ou bien, on peut simplifier par 5, alors est égal à moins 3. La propriété numéro 2, alors ici, s'il y a deux mêmes dénominateurs. Maintenant, s'il y a de différents dénominateurs. Alors, pour soustraire des nombres rationnels ayant des dénominateurs différents,
On commence par les réduire au même dénominateur, puis on applique la règle précédente. Ça veut dire ça. Alors, on réduit au même dénominateur, ou bien on applique la règle suivante, cette règle. Alors ça, c'est pour réduire au même dénominateur. Alors, A sur B moins C sur D, regardez ici. Alors, il y a de différents dénominateurs. Alors, on multiplie A et B par D et C et D par B, comme ça. Alors, on peut appliquer directement, ou bien on peut écrire directement ça. Alors, A moins A sur B moins C sur D est égal à A fois D moins C fois B sur B fois D. Exemple. Alors, par exemple, 8 sur 12 moins 7 sur 6. On peut faire ici les parenthèses. Les parenthèses. Alors, est égal combien? Alors, ici, regardez, il y a deux méthodes, ou bien il y a plusieurs méthodes. On a 12, c'est multiple de 6. Alors, on peut écrire ici 12. Alors, 8 sur 12, moins. Alors, ici, quel est le nombre que multiplié par 6 est égal à 12? Alors, 6 fois combien? Fois 2. Alors, ici, moins 7 fois 2 et 6 fois 2. Alors, 6 fois 2 est égal à 12. Alors, on peut écrire 12. Alors, 8 moins 7 fois 2, c'est moins 14. Alors, moins 14. Alors, est égal combien? 8 fois moins 8 moins 14 est égal. Est égal 8. Alors, moins fois moins est égal plus, d'après les nombres relatifs. Alors, plus 14 sur 12. 8 plus 2, 8 plus 14 est égal, 8 plus 14 est égal 22 sur 12. Alors, on peut simplifier par combien? Par 2. Alors, 22 divisé par 2 est égal à 11. Et 2 sur 2 est égal à 6. Alors, ça, c'est la réponse. Très bien. Alors, ça, c'est la méthode pour calculer 8 sur 12 moins 7 sur 6. Pour la deuxième, c'est la même chose. Alors, il y a on peut ici écrire comme une fraction 0,25 sur 1. Ça veut dire 25 sur 100. Alors, est égal. Alors, 25 sur 100 moins 1 sur 4. Alors, quel est le nombre qui est multiplié par 4 qui est égal à 100? Alors, multiplié par combien? 20, 25. Très bien. Alors, 25 sur 100. Alors, directement sur 100. Alors, multiplié 1 fois 25. Alors, ici, on a ici moins, pardon. Alors, moins 1 fois 25 est égal à 20, 25. Alors, 25 moins 25 est égal à combien? 0 sur 100. Alors, 0 sur 100 est égal à 0. Très bien. Autre exemple, 3 moins 1 sur 8. Alors,
La même chose. Alors, ici, on peut écrire 3 sur 1. Alors, le dénominateur commun, c'est 8. Alors, on peut écrire directement 8. Alors, 8 fois 3, on peut écrire comme ça, 3 fois 8, moins 1. Alors, est égal, 3 fois 8, c'est 20, 24, moins 1 sur 8. Alors, 24 moins 1 égale 23 sur 8. Très bien. Alors, ça c'est... Ça c'est pour comment calculer la différence ou bien la soustraction des deux nombres rationnels. Alors, on passe à cet exercice 2. Alors, faire à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va donner la réponse de cet exercice. Calculer les expressions suivantes et simplifier si possible. Alors, on a essayé toutes les opérations. Regardez, c'est la soustraction. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Salam alaikum. وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله في مسيرتكم الدراسية.